Bonjour à tous, c'est Jean-Luc sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler malheureusement des retards d'Ariane 6 qui ont provoqué en 2023 des pertes chez Ariane Group. Les temps sont durs pour Ariane Group. La filiale d'Airbus et de Safran, qui a stabilisé son chiffre d'affaires en 2023 à 2,3 milliards d'euros, a perdu 26 millions d'euros l'an dernier. Les États membres de l'Agence spatiale se sont engagés à Séville à soutenir l'exploitation d'Ariane 6 entre le 16e et le 42e vol à hauteur de 304 millions d'euros par an. En dépit des retards d'Ariane 6, 4 ans de total, Ariane Group a une nouvelle fois fait le dos rond lors de son dernier exercice. En 2023, la filiale d'Airbus et de Safran a réalisé un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros stable par rapport à celui de 2022, 2,35 milliards, loin pourtant des chiffres d'affaires des années 2018 et 2019 quand ils s'élevaient respectivement à 3,5 milliards et 3 milliards d'euros. Mais c'était un autre temps, celui d'avant le COVID-19 en 2020, celui d'avant la guerre en Ukraine en février 2022 qui a provoqué l'arrêt des lancements de Soyuz au Centre spatial guyanais, le CSG, et enfin celui d'avant la multiplication des retards du futur lanceur lourd européen. Le premier vol d'Ariane 6, actuellement en phase d'intégration à Kourou, est programmé dans une fenêtre comprise entre mi-juin et le 31 juillet prochain. Et si tout se passe bien, le deuxième tir devrait intervenir six mois après le premier. Sur le plan financier, Ariane Group a souffert, même si sa filiale d'Airbus et Safran s'en remettra. Selon nos informations, elle a perdu 26 millions d'euros en 2023 contre un profit de 89 millions en 2022. En outre, le constructeur des lanceurs lourds européens a enregistré une perte opérationnelle courante de 32 millions d'euros contre un résultat opérationnel de 19 millions d'euros en 2022. Par ailleurs, il a définitivement réglé le dossier des accomptes des clients, dont les satellites devraient être lancés par le lanceur russe Soyouz. Des accords ont été conclus avec tous les clients, c'est finalement grâce à la défense, notamment la dissuasion avec le missile M51 qu'Ariane Group s'est montré aussi résiliente. L'entreprise réalise actuellement environ 60% de son activité dans la défense. Ariane 6 est un modèle basé sur neuf lancements par an. Le modèle économique d'Ariane 6, bâti par l'agence spatiale européenne LESA, est fondé sur neuf lancements par an, a confié le président exécutif d'Ariane Group, Martin Stion, lors d'une rencontre le 7 mars 2024 avec les journalistes de l'AJPAE, qui est l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace. C'est une surprise surtout au regard du marché dynamique euh, confère SpaceX. La filière a est estimé d'ailleurs possible 10 à 12 lancements euh, par an en rythme de croisière pour Ariane 6 qui a déjà 28 vols dans son carnet de commandes. C'est ce modèle proposé par l'ESA, a-t-il précisé, qui a conduit non sans mal à un accord à la conférence de Séville. A cette occasion... Les États membres de l'agence spatiale se sont engagés à soutenir l'exploitation d'Ariane 6 entre le 16e et le 42e vol à la hauteur de 340 millions d'euros par an. Pour autant, Martin Sion n'a pas renoncé à pousser les murs. On fera peut-être 10 lancements par an certaines années. Et je ne vais pas non plus renoncer à monter à 11 ou 12 lancements par an a d'ailleurs averti le patron du constructeur d'Ariane 6. Je ne demande pas mieux à ce qu'il ait dans dix ans des lancements à un rythme beaucoup plus élevé, mais il y aura des investissements à faire, et de prévenir que s'il y a des investissements, des investissements supplémentaires à réaliser, il faut qu'ils soient rentabilisés. Tout l'enjeu d'Ariane Group sera de trouver un équilibre dans ce modèle d'exploitation imposé. D'autant que l'entreprise ne fait que la moitié d'Ariane 6. Martin Sion devra donc convaincre ses fournisseurs, dont certains sont des concurrents directs, euh, dont notamment Avio, de contenir leurs prix. Alors, il faudra donc baisser les prix d'Ariane 6, ça c'est une certitude. La baisse des prix de 11% des lanceurs sera donc un enjeu supplémentaire pour Ariane Group, qui s'y est engagé à Séville au moment. Où la filière doit également assurer la montée en cadence de la production d'Ariane 6. Cela suppose que les industriels fassent des efforts en termes de baisse de leurs prix, a insisté, insisté jeudi dernier Martin Sion. Pas facile car Ariane Group, en tant que maître d'œuvre des lanceurs Ariane 6, doit piloter et coordonner un réseau industriel regroupant plus de 600 sociétés dans 12 pays européens. On est dans le même bateau, on a un programme qui s'appelle Ariane 6, on a tous intérêt à ce que le programme soit un succès, a-t-il martelé. En ce moment, Ariane Group travaille d'arrache-pied avec ses fournisseurs à réduire les coûts sur l'ensemble de la chaîne industrielle. Notre travail est de trouver comment ensemble on peut baisser les coûts, a-t-il précisé. Pour y parvenir, l'entreprise utilise des leviers classiques, optimisation des processus de production, réduction des cycles et de la non-qualité. Une majorité des sous-traitants d'Ariane Group ont déjà fait une bonne partie du chemin, a souligné le président exécutif d'Ariane Group. L'objectif de Martin Sion est de parvenir à conclure le plus rapidement possible que ce soit plutôt une affaire de semaine que de mois pour converger et parvenir à trouver un accord global. J'espère que cette petite vidéo sur Ariane 6 et ses problèmes bien entendu qui sont étaient prévisibles hein, puisque le coût d'une Ariane 6 est nettement supérieur au coût d'une Falcon Knight, et que en fait Ariane 6 est déjà dépassé et donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux vous éclairer sur les problèmes d'Ariane 6. Et j'espère que Maya Space arrivera très rapidement euh, sur le devant de la scène afin de pouvoir remettre de l'huile dans les rouages au niveau du groupe Ariane. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir. De vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.